et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Asseyez-vous. Cher peuple de Dieu, qui chante avec tant d'intensité, ton Seigneur répond, il est là. Merci de t'être rassemblé pour le louer et pour le prier. Merci à vous, fidèles laïcs, consacrés, diacres, prêtres, d'être venu accueillir le don que Dieu fait à l'Église d'Évreux. L'ordination d'un nouveau pasteur, successeur de Christian, successeur de Jacques, successeur de 108 évêques d'Évreux. Finalement, successeur, avec l'ensemble des évêques du monde, des 12 apôtres. Olivier, sois le bienvenu dans cette terre normande, euroise. Votre présence, monsieur le préfet, madame la sénatrice, monsieur le président du département, monsieur le maire d'Évreux, les autres élus des collectivités territoriales nous touchent. Et vous aussi. Autorités militaires, judiciaires, diplomatiques et religieuses. Je pense en particulier à messieurs les imams. Votre présence signifie notre relation mutuelle, un peu mystérieuse, peut-être comme l'est la relation de l'âme, de l'esprit et du corps. Je ne dis pas où les uns se situent, mais que serions-nous les uns sans les autres. Bienvenue, chère famille d'Olivier. Merci de l'accompagner. Vous connaissez mieux que nous la matière première de notre ordination. Continuez de l'entourer de votre affection qui fait tant de bien. Bienvenue aux évêques, Christian, les mérites, qui continuent d'être de votre Église. Laurent, l'archevêque de Paris, qui, j'ai l'impression, n'est pas venu seul. Bienvenue aux évêques normands et amis. Parmi eux, Jean-Claude, le cardinal, archevêque de Luxembourg. Nous avons ce matin dans le cœur nous autres et beaucoup d'entre vous, une attention particulière pour l'évêque de Saint-Dié, Didier Berthet, décédé hier. Je salue aussi Monseigneur le Nonce, qui est dans un moyen de communication, de transport retardé. Nous sommes charitables, nous ne disons pas de quoi il s'agit. Je le remercie d'arriver dès que possible, au nom du Saint-Père, de prendre part à cette célébration avant celle de l'ordination d'Étienne Veuteux, ce soir à Reims. Bienvenue à nos frères et sœurs des églises orthodoxes et protestantes et à leurs prêtres et pasteurs. Votre participation à la prière marque notre désir d'unité. Bienvenue à chacun, à chacune d'entre vous, à l'intérieur, à l'extérieur, unis par la radio ou un écran, quel que soit le moment où vous en êtes sur votre chemin de vie et de foi. Dans toute célébration catholique, tous ont leur place, comme à toute sa place,
la vie de ce monde, avec ses joies et ses espoirs, ses angoisses et ses tristesses. Rassemblés dans la joie, comment ne pas penser aux régions du monde en conflit, à l'Ukraine, mais aussi aux victimes du tremblement de terre au Maroc. Tout a une place dans la grande espérance que nous offre notre Dieu et dont la célébration, la communion que nous voulons vivre est un beau signe. Merci à tous d'être là. Père, l'Église d'Évreux vous présente Olivier, prêtre, et vous demande de l'ordonner pour la charge de l'épiscopat. Vous devez avoir reçu du siège apostolique la lettre qui le désigne pour cette charge. Qu'on en fasse la lecture. François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à son cher fils, Olivier de Cany, prêtre dans l'archidiocèse métropolitain de Paris, jusqu'à présent recteur de son séminaire, choisi pour être institué évêque d'Évreux, salut et bénédiction. Nous prenons un grand soin de l'Église tout entière, et surtout des communautés qui sont dépourvues de guides légitimes dans la foi au Christ, en contemplant le mystère de la présence du Seigneur dans le sacrement de l'Eucharistie et en puisant à cette source de vie éternelle une vraie force spirituelle. Aussi, puisque le siège de l'Église d'Évreux se trouve vacant, après la renonciation du très cher frère Christian Nulcher, nous désirons ardemment mettre à la tête de ce diocèse un nouvel évêque. C'est à toi, cher fils, que nous avons pensé. Ta sagesse dans le gouvernement des séminaristes et des jeunes, comme ton dévouement pastoral, manifeste ton zèle sacerdotal et ton expérience dans l'accomplissement des tâches. Nous voulons donc te confier le service de cette importante charge. C'est pourquoi, ayant reçu l'avis du dicastère pour les évêques, agissant par notre autorité apostolique, nous te déclarons évêque d'Évreux, avec tous les droits et obligations de cette mission. Tu pourras recevoir l'ordination épiscopale partout hors de Rome, de la part de n'importe quel évêque catholique. Auparavant, tu devras faire profession de foi et également prêter serment de fidélité à nous et à nos successeurs selon les normes et le droit de l'Église. Il est nécessaire que tu informes de notre présente lettre aussi bien le clergé que le peuple du diocèse qui t'est confié. Nous l'exhortons vivement à apporter estime, obéissance filiale et coopération diligente à son nouveau père et maître dans la foi chrétienne. Enfin, nous souhaitons que tu exerces ton ministère avec un cœur de père, sous le regard de la bienheureuse Vierge Marie,
de Saint Joseph, son époux et protecteur du Rédempteur, et de Saint Olivier. Dans la prière, nous te confions, toi-même et ton troupeau, à leur intercession, désirant que le nom du Seigneur soit béni en toutes choses et toujours. Fais à Rome, au Latran, le deuxième jour du mois de juin, l'année du Seigneur 2023, onzième de notre pontificat, signé François. Nous allons maintenant entendre la personne de Nathalie 19, les attentes de notre diocèse. Monseigneur, c'est avec une grande joie que les chrétiens du diocèse d'Évreux vous accueillent aujourd'hui. C'est une joie, mais c'est aussi une espérance, celle de pouvoir, avec vous, répondre aux attentes exprimées lors de la démarche synodale. Majoritairement, les contributions déplorent l'absence des jeunes et une église vieillissante. Pourtant, les aînés souhaitent partager leurs rêves et leurs expériences avec les jeunes générations. Mais comment les toucher ? Mieux les accueillir lors des demandes de sacrement, leur donner plus de place dans les instances de réflexion et d'organisation. Parce qu'elle est la condition d'une véritable co-responsabilité, il y a une prise de conscience de l'importance d'une formation pour tous les membres engagés dans un service d'église. Il s'agit de former les prêtres et les laïcs à un mode de gouvernance synodale pour permettre une meilleure co-responsabilité au sein des équipes d'animation pastorale. De former les responsables des services et mouvements qui œuvrent à la vie missionnaire des communautés paroissiales et du diocèse. De former les personnes qui demandent des sacrements, dont les attentes sont souvent en décalage avec la proposition de l'Évangile. Par ces formations, les personnes transformées seront plus à l'aise pour dialoguer en adoptant un langage nouveau, plus simple, plus évangélique, afin de tenir compte de ceux que l'on rencontre, que l'on écoute. Beaucoup se sont exprimés sur la liturgie, dont ils retiennent le caractère central, mais les sensibilités sont diverses et parfois divergentes. Comment les réconcilier ? Reconnaissant la place essentielle de la parole de Dieu, nombre de lieux, paroisses, mouvements ou autres, proposent des groupes de partage de la parole. Liée à l'avenir de l'Église, la question des ministères est souvent évoquée. Beaucoup souhaitant l'émergence de nouveaux ministères. Enfin, aller vers les périphéries est un souci partagé par beaucoup de diocésains, mais qui pose la question : comment s'y prendre ? Monseigneur, un nouveau chemin s'ouvre pour vous aujourd'hui dans l'heure, mais nous allons, vous et nous, marcher ensemble pendant quelques années. Votre sac à dos est déjà bien rempli. Permettez-nous de l'alléger avec notre confiance, notre espérance et notre disponibilité. Nous allons maintenant entendre trois témoignages, l'un de Philippe, frère du père Olivier, l'autre de Cyprienne Berada Javal, mère de famille et membre du conseil du séminaire de Paris, ainsi que du père Guillaume Normand.
Mon cher Olivier, quatrième d'une famille de 5 garçons, tu as grandi dans l'éducation catholique de nos parents qui, à travers la vie paroissiale à Saint-Ferdinand d'Éternes, nous ont montré sans jamais nous l'imposer la force de la foi et la grandeur de l'engagement, à tel point que notre appartement était parfois surnommé l'annexe de Saint-Fer. La chorale du Collège Sainte-Croix nous a vus passer tous les 5, formant une chaîne ininterrompue de 25 ans de présence familiale. L'union des voix dans l'harmonie, signe de la communion de la foi et le témoignage de cette foi par la beauté du chant, ont contribué à ta vocation. Après des études en école de commerce et un service militaire auprès de l'aumônier de la marine à Toulon, tu nous as surpris en nous annonçant le jour de Noël 1984, devant la crèche familiale, que tu allais entrer au séminaire, nous montrant religieusement ton cadeau, un bréviaire. Tu gardes un bon souvenir de ces années, en particulier des 3 passées à Rome. Elles t'ont donné, entre autres, le goût de l'italien que tu aimes tant pratiquer. Olivier, moins ingénieur et bricoleur que ses frères, tu as toujours mis tes grandes qualités humaines au service des plus petits. Accompagnement des jeunes, visiteur d'enfants malades, chef des enfants de cœur, aumônier scout, formateur au séminaire de Paris, puis recteur de ce même séminaire, tout ceci a tissé le fil rouge de ton sacerdoce. Plein de simplicité et de bonté, un peu à l'image de papa, tu leur as montré la voie vers le Christ et vers le ciel. Papa, justement, nous a quittés il y a 18 ans. Il aurait été fier de toi et aujourd'hui, certainement, il prie pour toi et t'accompagne de son regard bienveillant. Chère maman, ta présence dans cette grande et belle cathédrale est importante pour nous. Il y a peu, je t'annonçais la préparation de ce petit mot et tu me répondais « Oui, c'est important d'avoir un prêtre dans la famille, il faut le dire. Pas trop long, mais il faut le dire. » Alors Olivier, merci. Merci pour ton écoute positive, tes conseils, ton amitié de frère et de cousin rassembleur. Merci. Prends bien soin de toutes les personnes qui te sont confiées, et en particulier des prêtres du diocèse. Nous prions pour toi et te confions à la prière de tes fidèles. Homme de terrain, le père Olivier de Cagny n'a jamais compté son énergie au service des communautés auprès desquelles il avait été envoyé. D'abord comme vicaire à la paroisse Saint-Denis du Saint-Sacrement, puis comme chapelain à Notre-Dame du Saint-Sacrement, où il s'est beaucoup investi auprès du pôle jeune Cortambert, ainsi que dans les aumôneries du collège et lycée La Tour et du collège et lycée Gerson. Il a également accompagné le scoutisme, école de vie où l'on apprend que le fort protège le faible. Pendant 10 ans, il a été curé de la paroisse Saint-Louis-en-Lille. L'humilité et la gentillesse du pasteur ont marqué l'esprit de cette communauté. Et jour après jour, il s'est montré attentif à chacun, à l'écoute lors des prises de décision. Simple et fraternel, Olivier est apprécié et estimé de ses confrères du presbytérium de Paris. Homme de prière, il est attentif à la parole de Dieu, la recevant pour lui-même afin d'en être le serviteur et de l'annoncer. En témoigne d'ailleurs le verset des Actes des Apôtres dont il a tiré sa devise « En aucun cas je n'accorde du prix à ma vie pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. » Olivier est particulièrement attentif à la place donnée à cette parole dans la prière liturgique du peuple de Dieu. La parole est proclamée pour qu'elle s'enracine et fructifie dans les cœurs, et c'est une ligne qui traverse tout le ministère d'Olivier.
au service des vocations, adjoint et responsable de maisons de formation, puis enfin recteur du séminaire de Paris, ce sont près de 30 années qui, d'une manière ou d'une autre, ont été consacrées à l'accompagnement des séminaristes. Beaucoup, dont je fais partie, lui sont reconnaissants de sa présence à leur côté pour les aider à reconnaître l'appel du Seigneur et y répondre généreusement dans la liberté. Olivier, un prénom de baptême tout à fait adéquat pour celui qui sait accompagner la croissance de ce que Dieu sème dans les cœurs, ici, aujourd'hui et demain, dans l'église d'Évreux. Oui, Père Olivier, Monseigneur, vous savez montrer la voie vers le Christ avec une vraie ouverture. Récemment, comme recteur, dans les choix faits pour le séminaire, en particulier sur la communication, et dans l'attention que vous montrez à la liberté de chacun, dans le temps que vous passez, quel que soit votre emploi du temps avec les plus pauvres, dans le respect des différences. Fidèle à votre sacerdoce, vous vous remettez régulièrement en question, signe parmi d'autres de votre modestie. Vous donnez l'exemple d'un prêtre qui vit pleinement la consécration de son baptême dans la prière, l'obéissance à l'Église et la charité. Vous avez prié et encore prié quand l'Église de France et de Paris était ballottée, restant ferme et serein face à l'épreuve. Quel bel exemple pour les futurs prêtres. Nous aimons votre humanité et votre simplicité. Vous savez l'importance de se retrouver autour d'un bon repas. Vous faites volontiers les courses, la cuisine. Vous savez dresser une belle table pour vos invités. Sans doute l'influence de votre goût pour la liturgie. Vous donnez le temps à la convivialité, vous aimez partager. Vous ne prenez pas de décision avant de consulter, de questionner, de prendre du temps. Vous acceptez la contradiction. Il le faut quand on se fait bousculer continuellement par les jeunes séminaristes. Vous savez que vous ne savez pas tout, et donc vous acceptez de vous faire entourer et conseiller, y compris par des femmes. Vous savez vraiment écouter, quelle que soit la fonction ou le titre de votre interlocuteur. Ce souci de faire mieux, de faire bien, a toujours habité, caractérisé votre vie de prêtre. Il y a 3 ans, vous m'avez fait appeler par l'archevêque de Paris, comme laïque et mère de famille, pour devenir membre du conseil du séminaire. Aux 2 femmes qui en font partie, vous avez su, avec la délicatesse et l'attention qui vous caractérisent, nous donner pleinement un rôle dans l'Église. Sabine, qui est consacrée, et moi, simple baptisée, qui faisons partie du conseil du séminaire, nous y sommes écoutées, nous avons un droit de vote, comme femme et comme représentante du peuple de Dieu. Alors oui, en vous voyant, en vous suivant, en travaillant avec vous, je peux témoigner que l'Église évolue, discrètement mais concrètement, dans l'ouverture et dans l'accueil. Alors à vous, prêtres religieuses et religieux, hommes et femmes, vous tous baptisés du diocèse d'Évreux, à vous tous, habitants et fidèles de l'Église de l'Eure, le pape François vous confie le père Olivier de Cagny. Il devient évêque chez vous, pour vous, mais surtout avec vous. Et vous ne pourrez pas ne pas l'aimer. Nous nous levons. Gloire à Dieu.
Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur notre Dieu, tu veux mettre à la tête de l'Église d'Évreux ton serviteur et prêtre Olivier. Accorde-lui la grâce d'accomplir fidèlement le ministère épiscopal. Guide-le en toutes choses pour qu'il sache conduire par la parole et par l'exemple le peuple qui lui est confié. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Nous pouvons nous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de la joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Parole du Seigneur. Thank you.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. Voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je serai seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable, pour être des pasteurs de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec tous. Parole du Seigneur. Thank you.
Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Restons debout pour accueillir la bénédiction avec le livre de l'Évangile. Nous asseoir. La paix soit avec vous. Je vois, frères et sœurs, que vous savez. Que vous savez que cette salutation de Jésus ressuscité est la salutation de l'évêque au début de la célébration. Quelle joie, cher Olivier, chers frères, de saluer l'assemblée comme Jésus ressuscité. Quelle responsabilité, ai-je envie d'ajouter, après quelques années. Dans cette page d'Évangile, nous reconnaissons l'achèvement
de l'ordination des apôtres, les premiers évêques. Jésus les envoie. De même que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Puis il souffle sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Auparavant, Jésus les a appelés, les a formés. Tu n'arrives pas ici par hasard, Olivier. Tu as répondu à un appel, non pas au bord du lac, mais au bord de la Seine. Peut-être devrais-je dire au bord du Tibre, car c'est bien l'appel de l'évêque de Rome que t'a transmis le nonce apostolique que je salue. Mais cet appel est aussi l'appel d'une église qui attend son pasteur. Au début de cette célébration, c'est son vicaire général qui t'a présenté à moi. C'est le peuple de Dieu qui s'est exprimé pour te dire ses attentes. Je suis frappé par la forte conscience des communautés qu'elles ne peuvent être catholiques sans un évêque. Elles l'expriment, c'est mon expérience, mais je crois aussi celle de mes frères, par de multiples attentions dont nous faisons l'objet, par exemple, lors des visites pastorales. Quelle joie, des joies souvent simples, mais qui exprime une foi profonde. Olivier, ton oui vient à la suite des oui déjà prononcés. Ils t'ont conduit à être prêtre de Paris, non pas comme une qualité hors sol, mais concrètement, comme un pasteur, aumônier de jeunes, curé, formateur, supérieur de séminaire. Et je suis sûr que ces oui s'enracine encore plus loin. Nous l'avons, je crois, perçu dans ta famille et dans les oui de l'Église qui t'ont précédé. Ton oui, aujourd'hui, à Évreux, n'est pas hors sol. Tu le sais bien. Olivier, tu feras vivre ce oui. Tu n'as pas fini de dire oui, en fait, d'obéir à la volonté de Dieu. Saint Jean-Paul II situait l'obéissance de l'évêque comme l'une de ses premières vertus. Et il ne le disait pas d'abord pour l'obéissance au pape que tu vas promettre, mais en parlant de l'obéissance au bien du peuple, au bien de son peuple. Cela ne dispense pas, frères et sœurs, de vivre vous-même l'obéissance à l'évêque, comme le pape François vous y exhorte dans la bulle de nomination. Jésus a formé ses disciples, une sorte de formation en alternance, comme le révèlent les évangiles. Ils sont partis préparer la venue du Maître, ou bien ils participent à la distribution du pain. Mais ils ont aussi de longs temps d'enseignement et entendre des invitations à la prière. Crois-moi, nous n'avons jamais fini d'être formés. N'oublie pas l'alternance, n'oublie pas la prière. Venons-en à l'étape d'aujourd'hui, l'achèvement de cette ordination de Jésus par ses apôtres, des apôtres par Jésus, l'envoi et l'accueil de l'Esprit-Saint. Olivier, tu es envoyé, mais tu n'es pas une bille. Je m'explique. Celui qui veut envoyer une bille lui donne une pichenette, une impulsion. Nous avons à peu près l'âge d'y avoir joué. Alors, la bille se met à rouler jusqu'à épuisement de l'énergie et jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle. L'ordination n'est pas une pichenette. Tu es envoyé comme le Père a envoyé Jésus.
sans jamais cesser de l'accompagner de son esprit. Je vais te marquer du Saint-Crème sur la tête. Il te pénétrera comme il pénètre le baptisé et le confirmé. L'Esprit Saint t'accompagnera tout au long de ton ministère. Parfois, il surgira discrètement au fond de toi, dans un temps de silence. Mais parfois, il surgira aussi de tes rencontres et du peuple de Dieu. Continue d'écouter et d'invoquer l'Esprit Saint, sans craindre l'épuisement ou les obstacles. D'ailleurs, l'Esprit Saint est un spécialiste des obstacles. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus, ajoute Jésus comme première consigne. Autrement dit, il t'engage à la miséricorde et à la vérité du combat contre le mal, celui déjà mené et gagné par Jésus. Dans l'envoi de Jésus ressuscité, cette consigne est la seule. Il n'y a pas de plan pastoral très défini. Je le comprends ainsi. Toute orientation, toute décision pastorale doit servir l'amour de Dieu que blesse le péché. Que ta seule crainte soit de laisser le péché continuer son œuvre en toi et dans ton Église. Toute orientation, toute décision pastorale doit être participation au mystère pascal de Jésus où l'amour de Dieu Père est vainqueur. Alors nous entendons, la paix soit avec vous. Non pas comme une petite salutation, mais comme la victoire de l'amour. Cette salutation est belle et elle est partagée. Tout prêtre célébrant, comme l'évêque d'ailleurs, dit à l'assemblée avant la communion, en présence de Jésus sur l'autel, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Tu peux compter sur les prêtres pour partager avec joie ta mission de pasteur. Puis les fidèles sont invités à se donner la paix par un diacre, expression du désir de communion dans la paix. La communauté reçoit la paix pour la transmettre grâce à nouveau à l'envoi par le diacre, aller dans la paix du Christ. Toute l'Église devient alors missionné et donc missionnaire. Frères et sœurs, que l'ordination de votre pasteur vivifie l'appel à être des disciples missionnaires dans la joie de la rencontre avec le ressuscité, dans la paix d'un cœur qui sait que Dieu n'abandonne jamais son Église, dans la joie d'être envoyé vers le monde que Dieu aime tout autant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Thank you.
C'est la règle très ancienne de l'Église qu'en présence du peuple, il soit demandé à celui qui va devenir évêque s'il s'engage à maintenir la foi et à s'acquitter des devoirs de sa charge. Frères bien-aimés, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à ma mort avec l'aide de l'Esprit-Saint. Voulez-vous annoncer l'Évangile du Christ avec fidélité et sans relâche? Oui, je le veux. Voulez-vous garder dans sa pureté et son intégrité le dépôt de la foi selon la tradition reçue des apôtres, toujours et partout tenue dans l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous travailler à la construction du corps du Christ qui est l'Église et demeurer dans son unité avec tout l'ordre des évêques sous l'autorité du successeur de Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous obéir fidèlement au successeur de Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec les prêtres et les diacres, les collaborateurs de votre ministère, prendre soin, comme un père, du saint peuple de Dieu et le diriger sur le chemin du salut? Oui, je le veux. Voulez-vous, d'un cœur plein de bonté et de miséricorde, accueillir au nom du Seigneur les pauvres, les étrangers et tous ceux qui sont dans le besoin? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme un bon pasteur, partir à la recherche des brebis qui s'égarent pour les rassembler dans le bercail du Seigneur? Oui, je le veux. Voulez-vous intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le peuple saint et remplir de façon irréprochable la fonction de grand prêtre et de pasteur? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Pour Olivier qui a été choisi, prions avec tous les saints du ciel, le Seigneur notre Dieu, dans sa bonté et pour le bien de son Église, qui lui donne l'abondance de sa grâce. Nous nous mettons à genoux. Comme tu peux. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Saint Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous. Saints anges et archanges, priez pour nous. Assemblée sainte des esprits bienheureux, Abraham, Élie, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous. Saint patriarches et prophètes, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint Jacques et Saint Jean, Saint André, Saint Thomas, priez pour nous.
Saint Jacques et Saint Philippe, priez pour nous. Saint Barthélemy et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint Simon et Saint Jude, priez pour nous. Saint Matthias et Saint Barnabé, priez pour nous. Saint Luc et Saint Marc, saints apôtres et saints évangélistes, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. Vous tous disciples du Seigneur, priez pour nous. Saint Maud et saint Vénérant, priez pour nous. Saint Étienne et saint Laurent, Ignace d'Antioche, priez pour nous. Saint Corneille et Cyprien, priez pour nous. Sainte Perpétue et Félicité, priez pour nous. Sainte Agnès et Sainte Cécile, priez pour nous. Vos tous saints martyrs, Saint Basile et Saint Athanase, priez pour nous. Saint Ambroise et Saint Augustin, priez pour nous. Saint Grégoire et Saint Jérôme, priez pour nous. Saint François Xavier, priez pour nous. Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous. Saint Docteur et Confesseur, priez pour nous. Saint Clément et Saint Martin, priez pour nous. Saint Denis et Saint Germain, priez pour nous. Saint Aurin et Saint Aquilin, priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney et Saint François de Laval, Saint Paul VI et Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Saint Bruno et Saint Bernard, priez pour nous. Saint Antoine et Saint Benoît, priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, priez pour nous. Saint fondateur et évangélisateur, priez pour nous. Saint François et Saint Dominique, priez pour nous. Saint moine et réformateur, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Louis et Sainte Clotilde, priez pour nous. Saint Charles de Foucault et bienheureux Jacques Désiré Laval, Saint Marcel et Sainte Geneviève, priez pour nous. Tous les saints de notre Église, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Claire, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Vous toutes Vierges Saintes, Sainte femme veuve, priez pour nous. Et vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Montre-toi favorable, priez pour nous, Seigneur, de tout péché et de tout mal, priez pour nous, Seigneur, de la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur, par ton incarnation. Délivre-nous, Seigneur, par ta mort et ta résurrection. Délivre-nous, Seigneur, par le don de l'Esprit Saint. Délivre-nous, Seigneur,
pauvres pécheurs. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de conduire et de garder ton Église. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service notre Père le Pape François, notre évêque Olivier, et tous les évêques, les prêtres et les diacres de ton Église. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de donner à tous les hommes de te reconnaître pour leur Seigneur et leur Sauveur. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de nous affermir et nous garder fidèles à te servir. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise d'établir comme témoin de ta vérité et comme artisan de ton amour tous les consacrés. Pour qu'il te plaise de bénir celui que tu as appelé. Pour qu'il te plaise de le bénir et de le sanctifier. Pour qu'il te plaise de le bénir, de le sanctifier et de le consacrer. Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, accueille, Seigneur, les supplications de ton Église pour celui à qui nous allons imposer les mains. Répands sur lui ta bénédiction toute puissante, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Dieu, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, Père plein de tendresse, Dieu de qui vient tout réconfort, toi qui es au plus haut des cieux et qui regarde les plus humbles, toi qui connais toutes choses avant même qu'elles soient. Tout au long de l'ancienne alliance, tu commençais à donner forme à ton Église par ta parole de grâce. Dès l'origine, tu as destiné le peuple issu d'Abraham à devenir un peuple saint. Tu as institué des chefs et des prêtres et toujours pourvu au service de ton sanctuaire, car depuis la création du monde, tu veux trouver ta gloire dans les hommes que tu choisis. Et maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui vient de toi, l'Esprit souverain que tu as donné à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, l'Esprit qu'il a lui-même communiqué aux saints apôtres, qui établirent l'Église en chaque lieu comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire de ton nom. Père, toi qui connais le cœur de chacun, donne à celui que tu as choisi pour l'épiscopat de remplir sans défaillance la fonction de grand prêtre et de pasteur de ton peuple saint, en te servant jour et nuit. Qu'il s'emploie sans relâche à intercéder auprès de toi et à te présenter l'offrande de ton Église. Accorde-lui, par la force de l'Esprit qui donne le sacerdoce, le pouvoir de remettre les péchés, ainsi que tu l'as commandé. Qu'il répartisse les ministères comme tu l'as disposé toi-même, et qu'il délie de tout lien avec l'autorité que tu as confiée aux apôtres. Que sa bonté et la pureté de son cœur fassent de sa vie un sacrifice qui te plaise, par ton Fils Jésus-Christ, par qui te sont rendus à toi, notre Père, la gloire, l'honneur et la puissance, avec l'Esprit Saint, dans la Sainte Église, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dieu lui-même, Dieu vous a lui-même associé au Christ souverain prêtre.
qu'il vous pénètre de sa grâce, comme une onction spirituelle, et rende fécond votre ministère par la bénédiction de l'Esprit-Saint. Recevez l'Évangile, prêchez la parole de Dieu avec une grande patience et le souci d'instruire. Recevez cet anneau, signe de fidélité. Gardez dans la pureté de la foi l'épouse de Dieu, la Sainte Église. Recevez la mitre. Que brille en vous l'éclat de la sainteté, pour que vous puissiez recevoir l'impérissable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef des pasteurs. Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur, dans lequel l'Esprit-Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu.
sœurs, priez frères et sœurs afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. À l'occasion de cette ordination épiscopale, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange. Donne efficacité par ta grâce à l'action que tu nous donnes d'accomplir sans que nous l'ayons mérité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit-Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, ils le nourrissent, et par les sacrements, ils le fortifient. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforcent d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, moi-même ton humble serviteur, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres.
Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, et ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage. À toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. En particulier pour moi, ton humble serviteur, que tu as appelé à l'ordre des évêques. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande. Protège en moi tes propres dons pour que je fasse fructifier par ta puissance, ce que j'ai reçu de ta grâce. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père tout-puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. » Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ses biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis, et nous en fait le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement,
Nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce jour de fête et de joie, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. Merci. La paix du Christ. Avec toi de nouveau. La paix du Christ. Je ne sais pas si je vais donner. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Il y aura 12 points de communion. Les distributeurs, pour l'instant, vous ne bougez pas le temps qu'on mette en place tout le système. Donc il y aura deux personnes qui donneront la communion dans la cour du musée, deux sur le parvis, deux dans le chœur, aux grilles du chœur et en milieu de nef. Merci d'attendre que tout le monde soit en place. Les prêtres et diacres qui sont dans les déambulatoires, vous ne bougez pas, on viendra vous chercher. Merci. Jean-Marc et... Thank you.
Tu as dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut. Il nous
Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit, pour que l'homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. Allégresse.
le Seigneur. Prions le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses, par le Christ notre Seigneur. Amen. Avant de conclure cette célébration, je vais passer dans toutes les allées pour vous bénir. J'ai lu il y a quelque temps un petit livre de Mgr Gaillot qui commente ce geste et qui dit son bonheur d'avoir fait ce geste ici dans cette cathédrale et le sentiment qu'il a de faire descendre le bien de Dieu sur les personnes. Et bien, c'est ce que je souhaite aussi en faisant ce tour de la cathédrale et de l'extérieur un petit peu. Oui. C'est habituel.
Amen.
Vous pouvez vous asseoir un instant. Rassurez-vous, je ne vais pas être long. En général, quand on dit ça, ça commence mal. Mais vraiment, comme nous allons chanter bientôt, dans un instant, le Magnificat, le chant d'action de grâce de la Vierge Marie, à qui est dédiée cette belle cathédrale. Et je voudrais que dans ce Magnificat que nous allons chanter, il y ait toutes les actions de grâce, tous les remerciements que je porte dans mon cœur et que vous portez aussi, je pense. Car cette fête de l'ordination d'un nouvel évêque, ce n'est pas ma fête à moi, c'est la vôtre, c'est la nôtre. Cette fête, c'est tout simplement Dieu qui renouvelle sans cesse son Église. Et le Christ, qui l'aime à ce point, ce que signifie notre anneau, le Christ qui aime à ce point son Église, qu'il veut sans cesse lui donner les moyens d'avancer. C'est cela la beauté aussi de la tradition de l'Église, que Dieu nous donne sans cesse les moyens d'avancer sans rien perdre de ce qu'il nous a donné au départ, dans l'Évangile, dans la communion des apôtres, dans la charité des saints. Que nous ne perdions jamais les trésors confiés aux apôtres et à leurs successeurs, les évêques, et que nous puissions ainsi continuer le chemin en étant guidés, conduits, accompagnés. Certains me demandent ces jours-ci si j'ai un programme. Je n'en ai pas, en tout cas pas d'autre que le Christ. Comme dit saint Paul aux Corinthiens, je n'ai rien voulu connaître parmi vous sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et au fond, la question qui maintenant nous est posée, à nous, vous et moi, les diocésains, les fidèles qui composent le diocèse d'Évreux, la question qui nous est posée, c'est comment cette mort et cette résurrection du Christ vont se manifester dans nos vies, de sorte que d'autres puissent avoir envie d'y adhérer, d'y communier, de communier à cette vie magnifique pour laquelle aussi la Vierge Marie rend grâce, de communier à ce salut qui nous est donné. Car Jésus est l'unique sauveur de tous les hommes, alors si nous y croyons, eh bien, que notre vie s'y conforme et que surtout nous en devenions missionnaires. Je n'ai pas d'autre programme, sinon de comparer peut-être, puisque l'actualité de l'Église nous en donne la joie et la grâce, de comparer le chemin que nous allons prendre, ou plutôt la mission qui est la nôtre, à un chemin, à une route, que ce soit l'autoroute A13 ou les petits chemins creux qui sillonnent entre nos champs en les protégeant en même temps, avec des hauts talus, eh bien, peu importe, il y a des chemins humbles, il y a des chemins qui, comme l'autoroute, déroulent fièrement leur ruban, mais c'est toujours la même route qui est le Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça peut être un programme. Et puis, dans le programme, il y a ma devise et puis mon blason. Mais avant d'y venir, et de terminer par là, je voudrais remercier vraiment de tout cœur. Alors, évidemment, je ne vais pas commencer à citer des noms, parce que sinon, vous êtes à plus de 1000, 1200, 1300, il y aurait au moins ceux-là. Donc, on serait encore là à l'heure du dîner. Or, il est déjà largement l'heure du déjeuner. Donc, il faut malheureusement faire des remerciements un peu généraux. En tout cas, je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs, les représentants de l'État, des collectivités locales, de la République, les élus de la République, les élus municipaux dans le département, particulièrement à Évreux. Je vous remercie d'être là. C'est pour moi un beau signe du fait que l'Église communie aussi à la tâche des hommes, à la vie des hommes, et que c'est là qu'elle veut offrir son salut et son amour. Monsieur le cardinal, votre présence, bien sûr, nous honore et nous permet aussi de nous rappeler que ce chemin que nous voulons prendre, c'est évidemment le synode dont vous êtes responsable, et la synodalité qui est vraiment cette attention de tous ceux qui sont sur la route,
de donner les moyens, les balises aussi, pour que cette route avance bien, et puis de permettre que tous ceux qui peuvent marcher et aider les autres à marcher puissent être là, présents au rendez-vous. Enfin, c'est comme ça que je l'imagine, avec les balises que nous donne la foi de l'Église, l'enseignement de l'Église, avec la carte que nous donne l'Esprit-Saint, avec toute la générosité aussi des chrétiens qui sont là pour marcher ensemble. Et c'est vous aussi que je remercie, bien sûr, tous les chrétiens. En particulier, je pense d'abord aux malades et aux gens qui sont faibles physiquement, psychiquement, aux gens qui sont limités dans leur corps, dans leur esprit. Je pense à ma chère maman, mais aussi à tous ceux qui sont ici et que j'ai vus pour la plupart à Lourdes dans le pèlerinage diocésain. J'étais très heureux de partager ce pèlerinage. Et je peux vous dire que vous m'aidez, vous, les malades, lorsque vous avez la foi, lorsque vous priez, lorsque vous souriez, lorsque vous laissez conduire, à vrai dire, quand vous laissez conduire vers la grotte, c'est plutôt vous qui nous conduisez d'une certaine manière. Et je voudrais penser spécialement à vous et à tous ceux qui sont sur le bord de la route parce qu'on a du mal à les intégrer quelquefois, les personnes qui ont un handicap, les personnes qui souffrent de telle ou telle manière, les personnes qui sont dans la misère ou dans une émigration forcée, peut-être illusoire, tous ceux qui sont un peu perdus au bord du chemin, qui sont dans le fossé, qui sont sur le talus à attendre, ceux qui sont en train de désirer timidement le baptême ou de retourner à la foi, mais qui n'osent pas descendre du talus, qui n'osent pas remonter du fossé parce que peut-être ils se sentent jugés. Je voudrais que vraiment personne ne se sente exclu de cette route qui est le Christ et l'Évangile et de cette route que nous allons tracer ensemble. Alors merci à vous les malades, ceux qui souffrent et qui continuent à être dans la foi et l'espérance. Merci aussi aux religieux, aux religieuses, ceux du Bec et Loin bien sûr, mais aussi toutes ces religieuses apostoliques, religieux apostoliques aussi, et aux vierges consacrées, parce que d'une certaine manière, comme je le disais aussi à un vieux prêtre malade immobilisé chez lui il y a quelque temps, au tout début, quand je suis arrivé à Évreux, c'est vous aussi qui portez le diocèse. Merci à tous ceux qui m'ont entouré et qui m'entourent en ce moment, et qui sont le conseil épiscopal, Et je vous annonce avec joie que je nomme de nouveau les pères Jean-Marc Lecam et Éric Ladon comme vicaires généraux. Vous imaginez combien c'est important pour un nouvel évêque de compter sur la confiance de ceux qui sont les collaborateurs. Ben je peux vous dire que la confiance, je la ressens avec tous mes collaborateurs, avec aussi le chancelier, l'économie diocésaine, la communication, tout le conseil épiscopal. Je sens cette confiance à 120%. Donc je rends grâce à Dieu aussi pour ça. Et puis je rends grâce à Dieu pour vous tous qui avez aidé à préparer cette célébration, notamment à la préfecture, à la mairie, mais aussi tous les techniciens, les chanteurs évidemment, que je remercie beaucoup d'être là. Et d'avoir fait ce bel effort de joindre des voix de mon diocèse d'origine et de mon diocèse présent, et de ainsi chanter la gloire de Dieu. Merci à tous d'être là, merci à tous les chrétiens, à tous ceux qui m'ont connu depuis longtemps ou qui viennent de me découvrir. Encore une fois, ce n'est pas moi qu'on fête, c'est le Christ, c'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui veut être notre guide et qui veut être notre route. Alors je vous invite à continuer ensemble ce chemin de la foi avec audace, dans la fidélité à l'Évangile, dans la charité. Et puis je termine donc par quelques mots sur mon blason et ma devise. La devise, vous pouvez peut-être la lire sur le livret, mais témoigner, rendre témoignage à l'Évangile, à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, à l'évangile de la grâce de Dieu. Et il suffit de prendre les quatre mots dans l'autre sens. Dieu, c'est vraiment lui qui agit, il nous donne sa grâce, c'est-à-dire qu'il nous donne son amour gratuitement, sans attendre que nous le méritions. C'est une bonne nouvelle, évangile, et cette bonne nouvelle de l'amour gratuit de Dieu pour chacun de nous, mais nous ne pouvons pas le garder pour nous. L'Église est missionnaire ou elle n'est pas.
et donc à nous d'être ensemble, missionnaires, porteurs de cette bonne nouvelle, tous ensemble. Et puis enfin le blason, donc vous pouvez le voir sans doute, la croix, l'olivier et la pelle. Là, plus loin, pelle. Enfin, on pourrait faire le jeu de mots, mais la croix lumineuse, parce que c'est le centre de notre foi chrétienne. Le rameau d'olivier, parce que bien sûr c'est mon prénom, mais je voudrais surtout que ce soit le signe non seulement du Saint-Crème que j'ai reçu sur la tête, de cette onction de l'Esprit-Saint, mais aussi de tout ce que porte le témoignage, le symbolisme de l'olivier dans la Bible et ailleurs d'ailleurs, je crois même dans d'autres traditions religieuses, la paix, la réconciliation, la fidélité, tout cela que nous pouvons demander à Dieu, bien sûr, lors de mon ministère d'évêque parmi vous. En tout cas, je le demande moi de tout cœur pour vous tous et pour nous tous, cette paix, cette réconciliation, cette onction de l'Esprit-Saint qui agit en nous et qui nous donne de vivre de la foi. Et puis enfin, la pelle. Alors là, ça m'est venu non pas seulement parce que je passais d'un diocèse assez urbain quand même, à un diocèse assez rural, mais surtout parce que j'y ai vu un signe du travail humain, du travail dans lequel la plupart d'entre vous vivent la moitié de leur temps, ou même peut-être plus parfois. Le travail aussi des mères de famille, le travail humble de toutes sortes de personnes qui embellissent la création, qui soignent la création, puis aussi qui font du bien aux autres. Quand on construit, quand on creuse dans un champ, quand on construit une route ou un bâtiment, on fait du bien au monde, aux autres. Et je voudrais que ce soit vraiment dans nos cœurs de chrétiens d'intégrer aussi toute cette dimension de la vie. Et puis surtout, et aussi, c'est un signe, cette pelle, du travail que nous avons à faire pour collaborer à la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est bien, mais si elle tombe sur un terrain sec et non préparé, ça ne marche pas. Dieu nous donne la terre, il nous donne l'eau, il nous donne le soleil, il nous donne la lumière, il nous donne tout ce qu'il faut pour que ça pousse. Mais il y a bien un moment, enfin je crois, vous me l'expliquerez bien ça, mais il y a bien un moment où il faut travailler pour que ça porte plus de fruits, n'est-ce pas? Et donc, l'appel, c'est aussi notre coopération à la grâce de Dieu. Tout simplement ouvrir son cœur avec la foi pour que la grâce de Dieu puisse travailler en nous. Et puis, c'est aussi enfin le signe du jardinier. Et Marie-Madeleine, quand elle va au tombeau au matin de Pâques, elle croit voir le jardinier. Elle dit à Jésus ressuscité, mais où est-ce que vous avez mis son corps? Elle ne se rend pas compte. Autrement dit, c'est une allusion à la résurrection aussi, et au fait que pour entrer dans la vérité de la résurrection, il faut demander la grâce de la foi. Alors je la souhaite vraiment. Je voudrais qu'on termine en vous confiant deux intentions de prière auxquelles je pense Dieu ne pourra pas rester sourd. La première, c'est tout simplement que Dieu veuille nous donner à tous plus de foi, chacun à l'endroit où on en est du chemin. Un petit peu plus de foi, un tout petit peu plus. Si chacun de nous a un tout petit peu plus de foi, l'Église doit vivre des périodes merveilleuses. L'Église est blessée, abîmée, amochée, peut-être, mais elle est belle. Elle est tellement belle quand on fait un pas de plus dans la foi. Et puis enfin, une intention de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses. Je suis très marqué évidemment par mon expérience de formateur au séminaire, mais ce n'est pas seulement pour cela. C'est parce que je sais, et des pauvres gens me l'ont dit, et des malades aussi, on a besoin de prêtres. Voilà. Alors, dans cette assemblée, il y en a qui se préparent, parce qu'il y a quelques séminaristes de Paris quand même qui sont venus chahuter leur ancien supérieur. Mais, non, pas chahuter, prier pour et avec. Mais surtout, je pense qu'il y en aura à Évreux et dans l'Eure. Je suis sûr qu'il y en aura. Allez, environ 7 dans les 3 ans qui viennent. On peut toujours essayer. En tout cas,
En tout cas, ça dépend en grande partie de notre prière. Ça fait trois fois que je dis que je vais finir. C'est ça, hein, vous êtes en train de vous dire ça. Mais là, ça va être vraiment la fin. Puisque j'ai employé la métaphore de la route, du chemin, eh bien, je propose qu'on fasse un chemin à pied dans les mois qui viennent, peut-être de samedi en samedi, mais je suis sûr que des jeunes vont m'aider à préparer tout ça. En tout cas, je fais appel à eux maintenant. Et une marche qui, en tranche de 10 à 15 km, ira de Ivry-la-Bataille. Alors, dans votre sens, c'est plutôt par là, voilà. De Ivry-la-Bataille jusque à Berville-sur-Mer. Ça marche ? C'est assez long, ça passe par ici, par le Neubourg, par le Bec-et-Loing, par Ponteau de Mer, peut-être. Puis, voilà. Donc, on va faire une grande marche. Chacun fera le tronçon qu'il veut ou les tronçons qu'il veut. Moi, je les ferai tous, mais avec, j'espère, beaucoup d'entre vous. Et on fera de cette marche une sorte de pèlerinage à travers toute la diagonale sud-est-nord-ouest pour prier Dieu pour ses intentions, pour qu'il nous donne plus de foi pour avancer sur la route et pour qu'il nous donne des vocations sacerdotales. D'accord ? Voilà. Et maintenant, c'est la bénédiction. Avec tous les évêques ici présents, je vais invoquer sur vous la bénédiction de Dieu. Avec vous en particulier, mon prédécesseur, Christian Nourichard, pour lequel je rends grâce vraiment à Dieu aussi pour cet accueil qu'il m'a réservé et qui m'a énormément touché et aidé. Après la bénédiction et le Magnificat, comme vous avez tous faim et soif, ne vous inquiétez pas, il y a du cidre et du jus de pomme, et puis aussi de la charcuterie et des desserts sur la prairie derrière la cathédrale à droite. Seigneur Dieu, tu veilles sur tes peuples avec bonté et tu les gouvernes avec amour. Accorde l'esprit de sagesse à ceux qui ont reçu de toi la charge de conduire l'Église. Que les progrès du troupeau fidèle fassent la joie éternelle de ses pasteurs. Amen. Toi qui diriges nos vies par ta grande puissance et mesures le nombre de nos jours, regarde avec bonté notre humble service et répands sur notre temps ta paix en plénitude. Amen. Veille avec bonté sur les biens que tu m'as accordés par ta grâce. Toi qui m'as élevé à la charge d'évêque, donne-moi de remplir ma mission comme tu le désires. Suscite un même amour au cœur du peuple et de son guide, pour que le troupeau ne manque jamais d'obéir à son pasteur, ni le pasteur de se dévouer à son troupeau. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Thank you.
Ha ha ha!